Salut à tous, le Meetup Boom Beach Paris 2016 a enfin sa date, le 26 mars 2016 à Paris, sinon ça serait con. Je vais répondre à plusieurs questions que vous nous avez posées, à vos skaters et moi sur Facebook, etc., sur Twitter. Donc voilà, je mets en tout cas le lien de la billetterie, parce qu'il reste quelques places, dans la description, je vous donne le lien. Et je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la chaîne à vos skaters. Ce qui m'étonnerait, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, ça sera une journée, ça se passe de 10h à 19h, une journée 100% Boom Beach, et c'est le premier événement mondial sur Boom Beach, hein, que vous croyez ou non. Il n'y a jamais eu de ce genre d'événement aux États-Unis, en Finlande, Norvège, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est le premier, c'est à Paris. Alors, Vosketal l'organise, je le co-organise, même si c'est lui qui a fait toutes les démarches, qui a géré l'organisation du début à la fin. Moi, il m'a invité pour organiser ça parce que gérer une centaine de personnes, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai accepté, mais bien évidemment, sans aucun problème. Je suis allé voir les lieux. C'est génial. Je peux pas encore vous dire la date. Si vous achetez votre billet dans la description de la vidéo, sachez qu'en fait, vous recevrez les détails du programme parce que ça peut encore changer et le lieu, etc. quelques jours avant par mail. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on ne le dit pas par... via YouTube. Donc cette journée, notamment, il y aura quoi? Il y aura des attaques. Je sais pas si ce sera un jour garde noir. À mon avis, ce sera un jour docteur terror plutôt. Voilà, ça sera des conseils, des analyses de base. Il y aura un énorme spot Wi-Fi pour que tout le monde ait sa petite connexion. Ça sera de 10h à 19h. Je donne un petit peu les informations comme ça pêle-mêle. Mais à mon avis, ça va être fun. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous rencontrer. J'ai déjà rencontré 2, 3, 4 abonnés vite fait dans la rue quand j'ai eu le plaisir de les croiser. Hein. C'est vraiment de la chance. J'étais super content de vous voir parce que voilà, moi je vois que des chiffres en termes d'abonnés, mais j'aimerais bien voir vos têtes. Vous voyez ma tête, j'ai envie de voir la vôtre plutôt. Donc voilà, je kifferais vous voir et puis il y aura des surprises, croyez-moi. Il y aura aussi des quiz, une tombola pour gagner des diamants, pour gagner des t-shirts, plein de trucs en rapport avec Boom Beach si vous kiffez ce jeu comme moi. Vous devez le savoir, vous repartirez sûrement pas les mains vides. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, il y aura une énorme, même plusieurs énormes surprises. Je peux pas vous le dire, croyez-moi. Mais je vous ai jamais menti, croyez-moi, ça va être énorme. Alors, je vais répondre à certaines questions que j'ai vues sur mon Facebook, celui de Vosketal, etc. Les gens s'attendaient à une mise à jour le 26 mars. Voilà, parce qu'on a dit, voilà, ça fait plusieurs jours, on dit, ouais, attention, grosse annonce dans quelques jours, quelques heures. Même moi, sur Twitter, j'ai fait H-7 et tout, grosse annonce. Et vous vous attendiez à une mise à jour, le retour du méga crabe, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas à quel moment on vous a parlé d'une mise à jour. En fait, vous vous êtes dit, tout seul, vous vous êtes dit, tiens, il y aura une mise à jour, ouais, ça va être la mise à jour. Mais non, on vous a jamais dit que c'était une mise à jour. Alors, les gens sont déçus, mais croyez-moi, enfin, c'est surtout parce qu'il y a eu... Il a fait mais un effort de fou parce que depuis qu'il a sorti sa vidéo fin 2015, je sais pas si c'était en novembre, même un petit peu, non, peut-être en octobre, il avait émis l'idée d'un meet-up en fait. Et croyez-moi que depuis ce jour-là, il taffe en fait. Même je lui dis, mais putain, mais faut que t'arrêtes. Enfin, t'as un travail, t'as la chaîne YouTube à gérer, tu trouves encore le temps de gérer le meet-up. Ben, il taffe et bah, pour qu'au retour il y ait des avis comme ça. Bah, je suis obligé de faire cette vidéo en fait pour exprimer mes avis, mon avis plutôt. Alors, on l'a fait à Paris, mais enfin, pour moi, c'est tout logique de le faire à Paris. Si on l'aurait fait à Lyon, les gens auraient fait, pourquoi tu fais à Lyon, tu fais pas à Paris ni à Bordeaux. Si on l'aurait fait à Bordeaux, mais pourquoi tu l'as pas fait à Paris, tu l'as pas fait à Lyon. Si on l'aurait fait à Marseille, etc. Donc, Paris, pour moi, c'est c'est la ville en France, même si vous êtes pour Marseille, hein, désolé, c'est la ville en France. Peut-être, enfin, je sais pas si c'est le plus accessible, mais en tout cas, enfin, moi je suis rarement allé dans le sud quelques fois, après je m'y connais pas trop, mais pour moi c'est logique. Alors peut-être qu'après il y aura d'autres événements dans le sud, j'en sais rien, peut-être en Suisse, après je me vois trop gros, mais voilà, c'est pour un premier événement, Paris, c'était logique. Donc voilà, j'étais obligé de faire cette vidéo en fait pour exprimer mon avis, pour vous parler de cet événement qui aura lieu donc le 26 mars avec le hashtag Boom Beach Paris 2016. J'espère que vous en parlerez sur les réseaux sociaux. Après, voilà, je suis pas totalement d'accord avec des avis qui disaient ouais, on s'attendait à une mise à jour. C'est pas de la faute et encore moins celle de Vosketal s'il n'y a pas de mise à jour. D'accord. Après, il y aura forcément une mise à jour bientôt parce qu'il n'y en a pas eu depuis un bout de temps quoi.
Donc, faut juste être patient. Moi-même, je suis maxé, presque. Il me reste quelques trucs à améliorer. Mais je suis maxé, je tourne en rond dans le jeu. Mais je continue quand même à m'amuser. Alors, je sais que certaines personnes s'ennuient un petit peu, mais vous inquiétez pas, faut juste être patient. Et je suis sûr que la prochaine mise à jour va être énorme, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc après, vous aurez votre petit billet qui ressemble à ça. Un billet électronique, si vous achetez votre place. Vous l'imprimez et nous, avec vos schedules à l'entrée le 26 mars, on va scanner, voir vos billets. Donc prenez votre pièce d'identité, bien évidemment. Voilà, il y aura une séance photo, il y aura quelqu'un qui va filmer toute la journée pour faire un petit résumé, etc. Ça va être juste énorme. Le programme, on vous le dira très bientôt, vous inquiétez pas. Et puis voilà, j'espère que vous serez là. C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer en vrai et pas dans la rue. Donc j'espère que vous serez présent. Et puis, bah voilà, je suis pressé, peut-être ce 26 mars, c'est mon premier meet-up et peut-être pas le premier, enfin mon dernier, j'espère en tout cas. Et puis voilà, je kifferais que vous soyez là. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur le Facebook, le Twitter, le Snapchat si vous avez des questions. Hein. Tout est dans la description de la vidéo et à vous abonner, bien évidemment. On se retrouve très bientôt et je rajouterai juste une petite chose, l'argent des billets, parce que c'est pas gratuit. Ça ne revient pas à moi, il y a vos skétales, bien sûr. C'est parce qu'on paye en fait tout ce qui est goûter, l'argent, enfin, on met de l'argent dans le goûter, le manger, le petit déjeuner, parce que c'est de 10h à 19h, il faut bien que vous mangez. Voilà, donc on touche 0 euros, donc on ne fait pas ça pour l'argent, bien évidemment. On se retrouve très bientôt, et puis comme d'habitude, je vous kiffe. Salut à tous.